Vive l'Éternel des armées. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles et nous fait gagner la bataille. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Amen. Ce que cela veut dire, que les masques sont tombés, que la vérité apparaît au grand jour. Vive le Seigneur Jésus. Vive la foi en Christ. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles et nous fait gagner la bataille. Les masques aujourd'hui sont tombés et la vérité apparaît au grand jour. Je reprends pour vous. Les masques sont tombés et la vérité apparaît au grand jour. Vive le Seigneur Jésus. Amen. Comment vas-tu passer? Allez, allez, allez.
Au numéro 52 07 0 367 47 3,
sous signe, ce aujourd'hui, 24 février 2023, du matin du tout dans Matthieu. Des fois, le silence les tue à toi, c'est vrai, mais des fois, le silence est d'or. Donc, moi, je fais un côté pour m'observer le silence, tout le monde me fait silence, pas parler encore, parce que le silence est d'or. Et moi, je te dis, le silence est la force de la parole. Mais attention, lorsque vous laissez le silence parler, sa parole deviendra alors méchante et violente. Vive le Seigneur Jésus! Vive la foi en Christ. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles et nous fait gagner la bataille. Les masques aujourd'hui sont tombés et la vérité apparaît au grand jour. Je reprends pour vous. Les masques sont tombés et la vérité apparaît au grand jour. Vive le Seigneur Jésus. Vive l'Éternel des armées. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles et nous fait gagner la bataille. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Amen. Cependant, nous comprenons que envie nous bien pour nous parler dans le micro, nous, dans l'écran téléphone, nous, c'est parce que nous vivons de paroles, nous vivons de l'information, nous vivons de nouvelles, pas vrai? Exactement.